Il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Maintenant que le directoire ne dispose plus d'aucune base sur ce monde, seules ces troupes de chars représentent véritablement une menace. Le moment est venu de passer à la seconde phase de mon plan. Et vos alliés de Corral, ma reine, quel sort allez-vous leur réserver? Ils ne me servent plus à rien. Ils se sont certes révélés utiles, mais il serait dangereux de les laisser en vie. Sans les services du général Duke, Mengsk sera facile à balayer. Raynor et Phoenix, en revanche, sont étonnamment pleins de ressources. Nous devons les éradiquer. Cérébra, je veux que tu rases les bases de Phoenix et du général Duke. Et ne laisse aucun survivant. Ma reine, puis-je vous proposer une stratégie? Les troupes Terran et Protoss célèbrent encore notre toute récente victoire. En les attaquant sur le champ, nous pourrions profiter de l'effet de surprise pour décimer leur défense. Excellente idée. Mais combien de temps disposerons-nous avant qu'ils se ressaisissent et lancent une contre-attaque? Je dirais 6 minutes environ. Ce qui ne nous permettra de surprendre qu'une seule base. Mais c'est un plan judicieux. Cérébra, je te laisse choisir la base à attaquer en premier. Je ne tolérerai aucun échec. Massacre-les tous en mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Comment allez-vous? Nos troupes sont attaquées.
À toutes les unités, préparez-vous à contre-attaquer. Kerrigan nous a pris par surprise. On va lui montrer ce qu'il en coûte. Continue comme ça, Cérébra. Leurs défenses ne résisteront pas longtemps. Tout de même pas que j'allais vous laisser reprendre le pouvoir. Vous m'avez abandonné aux griffes des Zergs sur Tarsonis. C'est à vous que je dois l'enfer que j'ai traversé. Je ne pouvais pas vous laisser vous en tirer comme ça. Et que sont devenues toutes vos belles promesses? J'ai menti. Si j'ai libéré cette planète, c'est parce qu'elle constituait une position stratégique pour le Directoire, pas pour vous rendre service.
Je me suis servi de vous pour détruire le disrupteur. Mais maintenant que j'ai repris le contrôle de mes couvées, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Je pense que je vais vous abandonner ici, Arcturus, au beau milieu des cendres de votre précieux dominion. Je veux que vous surviviez et assistiez à mon inexorable ascension. Je veux que vous n'oubliez jamais que le seul responsable de tout ceci, c'est vous. Reconnaître que vous ne m'avez pas déçu. Vous autres, les Protoss, vous êtes si entêtés, si prévisibles, vous êtes vos pires ennemis. Quelle ironie! Je me rappelle encore Tassadar, vous enseignant la même leçon sur charme. Une leçon qui a porté ses fruits, prêteur. Mais assez discuté. Es-tu prêt à mourir une seconde fois? Le Kala est ma destinée, Kerrigan. Et bien que je sois disposé à l'embrasser, ne comptez pas sur moi pour vous faciliter la tâche. Des mots dignes d'une véritable épitaphe.
Non. Détends-toi, Jim. Il est mort comme en rêvent tous les Protoss, au combat. Il est mort parce que tu l'as trahi. Combien d'innocents vas-tu encore consumer? Combien devront mourir avant que tu te rendes compte de ce que tu es devenu? Je ne sais même pas de quoi tu parles, Jim. Vraiment? Je vais te tuer pour ce que tu as fait. Pour Phoenix, et pour tous ceux que tu as fauchés dans ta quête de pouvoir. Oh, j'ai peur. Ne le prends pas mal, Jimmy, mais tu n'as pas l'étoffe d'un tueur. Ça n'arrivera peut-être pas demain, ni même avec le soutien d'une armée. Mais sois-en sûr, je suis celui qui mettra fin à tes jours. Cérébras. Ils ont tous été détruits. Regagnons Tarsonis et prenons un peu de repos. Pour la première fois depuis ma transformation, je suis fatigué de ces combats.